La société IETB est contactée début décembre par le régisseur principal de l'Orchestre Opéra National de Montpellier pour réaliser une animation avec un train lors des concerts du Nouvel An dirigés par le chef principal Michael Schoenwandt. La préparation du matériel est faite en atelier et l'installation sur scène a lieu le 30 décembre 2016, suivi le 31 décembre au matin par la Générale. L'événement est couvert par France 3 Languedoc-Roussillon, dont nous publions le reportage en fin de film. Classique mais festif. Sur ce morceau de Johann Strauss, hommage au train, Michael Schoenwandt a eu l'idée de cette fantaisie. Des wagons ornés de roses et de coupes de champagne que le chef d'orchestre s'empresse de distribuer. Le concert du 1er janvier est toujours un moment particulier entre solennité et légèreté. C'est toujours une émotion assez profonde parce qu'on a envie de montrer que la vie est belle, qu'on a plein d'espoir pour l'avenir. On fait un cercle autour de tout le monde. Et on sent qu'on vit quelque chose ensemble. Et c'est ça, la musique nous montre dans notre société à nous, qui devient parfois de plus en plus autiste, qu'on est ensemble.
Et quoi de mieux pour ressentir cette communion qu'une salle comble? Comme hier soir, pour ce même concert, 2000 personnes avaient réservé leur place dans la salle Opéra Berlioz du Quorum de Montpellier. Je viens tous les ans. Pour le plaisir, déjà d'écouter de la musique et puis le plaisir de le partager avec tout ce public. Voilà, c'est vraiment un grand moment et puis j'aime la musique classique. Ça, c'est une bonne façon de commencer l'année que d'assister à un concert comme ça. L'an dernier, 2016, débutait au rythme des comédies musicales anglo-saxonnes. Changement d'atmosphère et d'époque, l'élégance et la grandeur des valses de Vienne, Lens 2017. Là, on s'est dit, pour le nouvel an, on va faire plaisir aux gens avec les fondamentaux. Et mine de rien, il y a quand même toute une population qui n'a jamais entendu de valse en live avec un orchestre. Et c'est assez impressionnant quand même. Hein. Surtout que là, vous avez un grand orchestre, l'effectif est au complet. Vous avez plus de 90 musiciens sur scène. C'est assez rare de voir ça également dans une salle comme le Quorum, qui est absolument sublime, à l'acoustique parfaite. Si les oreilles étaient comblées, les yeux aussi. Bougies crépitantes, pluie de cotillons. Et point d'orgue de ce concert du premier de l'an, la fameuse marche de Radetzky. Incontournable et toujours un vrai moment de complicité entre l'orchestre et le public. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.